Maintenant que vous êtes devant nous, on vous connaît mieux, fait qu'on vous a demandé tout simplement à quand et où vos prochains spectacles pour réserver nos places. Ben, les prochains spectacles, c'est au Club Soda. On va jouer, mais peut-être qu'on va venir jouer ici. Est-ce qu'il y a de la place pour venir faire un show au complet? Ah ouais! Y a-t-il une salle, quelque chose? Les colloques chez les souverains anonymes. Deuxième partie. Bonjour, Jimmy des colloques. J'ai caché une lime dans le bass drum. Allô, salut, c'est Pat des colloques. Moi, j'ai caché une grosse Kalachnikov. Allô, c'est Serge Robert. Mon nom est Serge des colloques, puis moi, j'ai fié des ballons. Ouais. Bonjour, moi, c'est Mike de les colloques. André Fortin des colloques, vous écoutez les souverains anonymes. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vois là? Sont mes chums en personne! Tout le monde est bienvenu chez les colocs. T'apportes ta guitare, ton sourire, puis tu laisses tomber ton froc. Tu chantes comme une casserole, tu chantes aussi bien qu'un coq. Tu manges les spaghettis après une partie de poc. Tu arrives de loin, mais tu fais déjà partie du bloc. Entre les cultures, il n'y a pas toujours de choc. Tu fais la vaisselle si tu veux passer la nuit chez les colocs. Ça tourne et... vas-y! Bonjour, je me présente Florentin, le manager et colocatrice. Bienvenue les potes, moi c'est Robert Landreville-Dubé. Salut les potes, c'est Bob. Salut les colocs, mon nom c'est Claude. C'est Scott. Salut les colocs, moi c'est Beaulac. Colocataire dans le C, André. Bienvenue les amis, mon nom c'est Alain. Salut les buzzés, c'est Steph. Bienvenue à vous, c'est Doucette. Salut les colocs, c'est Pierre. Salut les colocs, c'est Pitbull. Bienvenue les tripeux, c'est Mickey. Salut les colocs, je me présente Neko. Salut, c'est Pierre-Paul. Hey les colocs, gagnant 4 Félix, on peut dire que ça chant va bien. Bonjour les colocs, c'est Polo. Bonjour les colocs, c'est Ballon. Pancho du C, salut. This is Wolf, straight out from B-Wing. Salut les colocs, on me donne voilà. Salut, c'est Ali. Johnny, bienvenue en souverain. Salut les gars, c'est Claude, le gars qui élève des pigeons dans le A. 3, 2, 1, 0, ça tourne, vas-y. Salut les colocs, c'est Pancho de la Chine, ça va? Vous auriez pu emmener vos colocatrices. Salut les gars, je suis Carlos, bienvenue à Souverain Anonymous. Colocataire ou coloc des airs, c'est André. Vas-y. Et salut les colocs, quand je vois d'un bord, tout le monde boit de la liqueur, du fort, y'a personne avec des verres d'eau, parce que je m'appelle Polo, j'aime Polo, c'est moi Polo. Dédé Fortin, Patrick Esposito di Napoli, Mike Sawatsky, Jimmy Bourgoin et Serge Robert. Bienvenue parmi les souverains anonymes! C'est un soir fait de la gare Montparnasse. C'est soir, beau soir, cafard de juin. C'est soir, mon poste, c'est pas très jouasse. Juste l'heure de la sortie du turbin. Avec moi-même, j'avais un tyran carré, histoire de voir mon bilan santé. Pas de chance, mec, t'es vraiment tricard. Me disait-le tout, j'ai bien tu la pognes. C'est repositif, bogey. C'est repositif, bogey. C'est repositif, bogey. Pour quelques dollars, tu vas tout.
raconte ma vie. Je me suis troué les veines, n'en plus bandé. J'ai vu partir les potes jusqu'au fond de la lit. Rien n'a plus de tout ça, on va tous crever. Tu parles de blues, d'avoir perdu ta job. Tous tes problèmes, y'en a qui n'existent pas. Je souhaite jamais, au nom de poignet, un vrai microbe. Sans question, eh bien, il pardonne pas. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de bord de rencontre, les colocs, deuxième partie. Salut les colocs, moi c'est Eric. J'aimerais savoir où qu'est rendue la petite violoniste que j'ai vue tout à l'heure dans le show. La plupart des groupes rock québécois sont formés exclusivement de gars. Les Pingouins, Parfait Salaud, Villeray, Zébulon, French Bee, Offenbach, Octobre, puis j'en passe. Et excepté Corbeau. Je vois pas de colocatrice parmi les colocs. Je sais que sur scène se produisent une couple de filles et une violoniste. Mais la musique des colocs serait-elle exclusivement une affaire d'hommes aussi? Pas du tout. Ben, je pense pas que la musique soit juste une affaire d'hommes. En partant, tu sais, parce qu'il y a des filles qui viennent au show, déjà. Enfin, on doit pas s'adresser juste à des gars, certains. La raison pourquoi c'est juste des gars dans le groupe, non, c'est pas ça du tout. Ah ouais. Moi, je pense que ça s'est adonné comme ça. C'est certain que je pense qu'il y a, d'après moi, en tout cas, il y a en ce moment moins de filles qui en font, tu sais, du rock'n'roll. On rencontre moins de filles qui font du rock'n'roll. Donc il y a moins de chances que tu tombes sur une fille pour. Mais pareil, ça aurait pu être tout aussi bien une fille qui passe une annonce dans le journal ou. Un homme, sauf que quand on est en train de faire le groupe, il faut trouver quelqu'un. Avant de savoir si c'est une fille ou un gars, il faut trouver quelqu'un qui joue, qui est dans l'esprit, que tout ça. Ce groupe-là, il y a juste des gars dedans, sauf pour les shows, ben il y a Mara qui vient jouer comme artiste invité. Mais peut-être plus tard, je sais pas, si dans 10 ans, on est tous dans des groupes différents, mais peut-être qu'on va être dans des groupes où il va y avoir... Il y a même un chien qui est venu un soir. Comme un artiste invité. plus attention, c'est une illusion, ça. Non, c'est pas une illusion du tout. On l'a pas, hein, sur stage. Y avait-tu une calotte? Non. Il parlait. Bon, ben, salut les gars, moi c'est Bob. Le succès des colocs a pris tout le monde par surprise. Même les journalistes ne savaient pas comment vous classer. Maintenant, êtes-vous satisfait de l'image que les médias projettent de vous? Oui, non, peut-être. Mais excusez, quand l'album est sorti, on croyait pas que c'était... Mais en tout cas, avant que l'album sorte, et puis avant qu'on commence à être diffusé par les médias, pis ça, on croyait pas que c'était pour avoir une grosse diffusion. Parce que les chansons, on va dire, on fait du swing. On fait Julie, c'est une chanson swing quand même. C'est pas un genre de tune qui joue assez quoi régulièrement. C'est pas un genre de son non plus qu'on entend régulièrement. Sauf que, bon, ils l'ont fait jouer en masse, et puis... on s'attendait pas à ce que ça fasse un gros succès comme ça a fait maintenant. Maintenant, par rapport à l'image qui est véhiculée par les médias, je sais pas trop, là.
Je pense que c'est correct, c'est assez conforme. Mais quoi que... Après le gala, on était des sales, en tout cas. Ouais, ça, c'est bon, d'un gala, bon... À cause de moi, j'étais en beden. Ouais. Ils ont dit le jour... En beden, c'est pas ça, en beden, c'est-tu? Ah oui, Claude Poirier, il était parti après nous autres, là. Des sales après, mais... Mais c'est ça. Mais du par rapport, ça a eu un drôle d'effet à un moment donné avec toutes les vidéos où il y a bien des couleurs pis des trucs pis Julie, tu sais, qui est une chanson qui peut plaire aux jeunes quand même, tu sais. À un moment donné, en dehors de, ben, à Montréal, on attirait toutes sortes de monde, là, des gens de tous les âges. Puis on arrivait en région, bien souvent, tu sais, on attirait vraiment des jeunes. On voit des garderies, là. En province, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'était des trucs comme jeune. Ça. Il y a des places où on a joué les enfants en avant pis les parents dans le fond. C'est un peu déprimant. Tu sais, on n'a pas conscience de faire de la musique pour enfants ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a eu un peu un problème là, de perception au début, comme ça. Mais là, je pense que c'est en train de se replacer aussi avec des tunes comme Juste une petite nuit qui est sortie et puis des affaires comme ça. Alors, je pense que c'est en train de plus prendre le bord que peut-être ça devrait ça. Prendre. Mais tu sais, l'image est véhiculée par... C'est toi qui as posé la question, hein? C'est Bob. C'est l'image est véhiculée par les journaux, puis il y a beaucoup de journaux, si tu veux, que c'est un autre spectacle. C'est-à-dire que il y a les journaux à potins, les journaux jaunes, ces journaux-là, c'est un autre spectacle. Donc, ces journaux-là ont besoin aussi de ils ont besoin de potins, ils ont besoin de trucs spectaculaires, ils ont besoin de... Tu sais, je suppose qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, que j'ai fumé un joint avant un show, ça les intéresse beaucoup parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, il a joué un jeu! » Bon, c'est ça. T'sais, ça peut partir après ça que, tu sais, j'étais un drogué. Il faut aussi, pour que ces journaux-là fonctionnent, ça prend beaucoup d'amplification, c'est ça. Fait que l'image, étant donné justement qu'ils ne savaient pas trop comment nous classer, ils n'ont pas eu le temps vraiment de voir le groupe, sauf peut-être les journalistes à Montréal qui vont beaucoup au show, comme Alain Brunet, de la presse, tu sais, qui eux autres vont vraiment au show, dès le début, dès les premiers shows, ils étaient là, ils ont vu le show, ils ont regardé le groupe aller, puis à un moment donné, eux autres, ils oublient un peu le côté image de tout ça, mais pour les autres journaux, c'est bien important, tous les potins qu'il peut y avoir à côté, parce que c'est un autre spectacle qui se passe. C'est une autre forme de spectacle puis qui se passe pas du tout par rapport à la musique. Ça se passe, c'est le même spectacle qu'on fait par exemple à la télévision avec la vie personnelle du monde plutôt que ce qu'ils font. T'sais, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait parce que peut-être tu peux écouter un disque de quelqu'un puis tu trouves ça vraiment génial parce que la personne a vraiment une bonne imagination, mais dans la vie, cette personne-là peut être rangé, peut avoir pas grand chose à raconter sur cette personne-là, sauf que c'est une personne qui a le talent, qui a beaucoup d'imagination, puis qui le fait, tu sais. Ces journaux-là, s'ils savent pas tout à fait quoi dire par rapport au groupe, ils vont accrocher sur une chose, là. Comme par exemple à la disque, ils ont accroché sur la façon qu'on était habillé, tout ça. Tu regardes les Grammy Awards ou les trucs comme ça. Aux États-Unis, on a comme dépassé un peu cette étape-là, si tu veux. C'est que c'est normal que les groupes, avec la musique qu'ils font, tout ça, quand ils arrivent au gala, justement, quand ils font de la musique, c'est une expression personnelle. Puis ils arrivent. Pourquoi rendu dans un gala, ces gens-là, justement, devraient s'habiller avec une. Avec un tuxedo blanc ou noir ou whatever, tu sais. Moi, je trouve ça serait vraiment de mauvais goût, tu sais. Tandis que s'habiller comme on était habillé sur le stage normalement pour aller chercher le trophée, c'était tout à fait normal, tu sais. Sauf que, bon, c'est ça. Voilà. OK, bonjour, moi, je m'appelle Beaulac. Voici maintenant quelques petites questions pour quelques petites réponses. C'est le célèbre et traditionnel quiz des souverains anonymes. Yeah! 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 OK, la nostalgie, c'est une rue principale déserte d'un village, mettons, tu sais, où les habitants passent le temps dans des nouveaux centres d'achat, tu sais, flambant en eux, tu sais comment que ça fait. Si vous étiez de passage dans cette rue-là, OK, quelle sorte de musique ou ben de chanson du répertoire mondial tu voudrais interpréter pour redonner ambiance à cette rue-là? Eh mon Dieu, c'est une bonne question.
voulais, Zeppelin. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Passez-y une guitare, coquin. Ah, une toune de la Zepp, très cool. Mais je suppose une toune de Boris Vian, ça serait cool aussi. Ou il y en aurait tellement. J'en aurais plein. Il y en a plein. Une chanson d'Oscar Tifo. Chanson de... je sais pas, Charles Trenet. Bon shuffle, Going shuffle, T-Bone Walk. Ça, c'est du blues. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de Bordeaux rencontrent les Coolocs. OK, moi c'est Francis, salut. Salut. Comme vous avez le savoir, là, pas mal tout le monde vous aime. Là, c'est la planète, là. Ah, il y en a qui nous aiment pas, tu sais. Ouais, ça, c'est une exception. Claude Poirier. Ouais. Ben, le plus gros de ça, il y en a pas mal qui sont sous BS. Ben, le premier du mois, ça augmente pas mal vos ventes d'albums, ça. Ce serait une statistique à relever. Je suis pas sûr. Peut-être que ça augmente les copies à ce moment-là. Regarde, OK, salut. Moi, je m'appelle Wolf et j'aimerais savoir, en tant que coloc, vous devez partager, en plus de la musique, le loyer, la nourriture, les femmes, la casserole. Lequel de vous ne partage pas l'amour des coquerelles? J'en ai eu cette année des coquerelles chez nous, puis d'aplomb, ça m'a pris 4 exterminations. Mais j'ai vécu! OK, mais excuse-moi, j'en parlerai plus. Les coquerelles, j'en ai vu une de temps en temps. J'ai essayé de les tuer avec du Ajax, ça n'a pas marché. À un moment donné, il y en avait une, fait flac plein de Ajax, puis elle n'est pas partie. Bon, les gars sont blindés, coquerelles. Elle est partie, il y en a une. Mais je comprends pas, chez nous, il y en a une à toutes les 6 mois. C'est juste une à toutes les 6 mois qui vient, tu sais. Hop! Alors, es-tu les amis sur l'affiche, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est des scarabées, tu sais, mais bon. Non, il y en a deux coquerelles, là. Juste là, ça m'excuse, j'en ai vu dans la vie, c'en est une. C'est des scarabées. OK, mon nom, c'est Pierre. Ma question s'adresse à Serge. Salut, Serge. Salut. Moi, je suis méchant de site. Moi, t'es un vendeur de casseroles. Ah oui, bon. J'aimerais utiliser ta chanson. Je chante comme une casserole pour vendre mon stock, mon produit. Mais je voudrais utiliser un visage connu du public dans ma publicité. D'après vous autres, entre Michel Courtemanche, Jean Chrétien ou Sœur Angèle, lesquels des trois vous préférez le plus pour faire le playback? Moi, entre Jean Chrétien, Courtemanche puis Sœur Angèle. Sœur Angèle, me semble. C'est... Jean Chrétien, c'est comme Michel Courtemanche live un peu, là. Moi, Sœur Angèle, c'est difficile à dire, hein, quand même. Tu pourrais pas m'utiliser, moi, tu sais, comme tu pourrais peut-être faire un peu le créateur, même, hein, de la chanson. Non, je fais des farces. Mais moi, sûr de faire des consoles qui sonnent bien, maman. Il est vexé, hein? Faut qu'elles sonnent bien. Moi, mettons Jean Chrétien. Moi, j'aimerais ça voir Jean Chrétien dans une annonce à télévision avec une casserole, là, comme ça, à côté. Il me semble, là, tu sais, je chante comme une casserole, là, ting, 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 sur sa tête, à côté. Ça serait... Ça serait rigolo. Moi, je vote pour Jean Chrétien. Dis donc, Dédé, dans ta chanson, Julie, le père de la petite Julie, c'est un PDG de Coca-Cola, mais Julie, elle a fait du Pepsi au dépanneur. C'est pour faire chier son pain ou c'est parce que Pepsi, ça rime avec Julie? Non, exactement, c'est pour faire chier son pain. Nos chers collègues, votre premier album, nous l'avons écouté religieusement et voici les messages que nous en retenons.
Qu'heureusement, il y a des poubelles dans les ruelles pour rendre la vie plus belle à un enfant dont le père et la mère n'ont rien de paternel ni de maternel. Ouais! Cause, tu fais ça même de même! Que les bulldozers font moins de bien que de mal, tant que dans les villages, les centres d'achat poussent les rues principales. Ouais! Cause, tu fais ça même de même! Que la match de la vie n'a rien de l'émission de télé à TVA. Pour compter des buts, il faut lancer la puck direct dans l'objectif de la caméra. Ouais! Cause, tu fais ça même de même! Qu'il n'est pas difficile d'avoir un mauvais caractère quand on vient de Saint-Thomas-Didyme, non loin de Jonquière. Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que dans les microbes, il y en a un qui ne pardonne pas. Pas à pas, il nous mène vers le dernier repas. On se dit qu'on va tous crever, mais le microbe, lui, quand est-ce qu'il va crever? Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que les colocs se connaissent mieux en voyage qu'en restant chez eux à faire des adages. Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que de chanter comme une casserole, c'est pas plus pire de chanter tout seul dans sa cellule, personne pour t'applaudir ou te garocher des tomates à la gueule. Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que la lune se cache de chagrin et de peine, quand un homme et une femme n'ont plus rien à dire qui vaut la peine. Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que l'amour n'a pas d'âge, wow, 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 mon grand sage, tu ne touches pas un enfant, même si t'as plus que 100 ans. Ouais! Oh, tu fais ça de même! Que le monde n'est pas très beau, avec ces gars qui ne finiront pas bientôt, avec ces pauvres qui espèrent gagner le gros lot, avec ces murs qui empêchent le passage à l'eau. Quand le monde est beau, c'est parce que les colocs sont à Bordeaux. De tous ces messages, lequel vous tient le plus à cœur? Oui, mon message à moi, moi j'aime bien celui que chanter comme une casserole, c'est ma chanson aussi, ben, je l'avais trouvé comique. Mais on sait, que chanter comme une casserole n'est pas pire que de chanter seul dans sa cellule. Personne pour t'applaudir ou te garrocher des tomates dans la gueule. Moi j'aimais bien celle-là. Que la lune se cache de chagrin et de peine quand un homme et une femme n'ont plus rien à dire qui vaut la peine. Alors moi j'aime bien celle-là, là, que les bulldozers font moins de bien que de mal tant que dans les villages, les centres d'achat poussent sur les rues principales. Mais je les aime toutes aussi, là, je suis comme Pat pendant, là, je trouve tout. Moi j'aime mieux le 4, ça dit « L'amour et la merde sont deux vertus. L'une qui soulage le cœur, l'autre le cul. » On se dit qu'on va tous crever, mais le microbe, lui, quand est-ce qu'il va crever? Ah. Yeah! OK, en préparant l'émission, on se disait si on leur a demandé l'adresse de leur psychiatre. Mais après avoir l'écouté religieusement, votre album, on va juste vous demander c'est quoi l'adresse de votre pusher. Maintenant que vous êtes devant nous, vive à domicile, on vous connaît moi. Mieux. Maintenant que vous êtes devant nous, on vous connaît mieux. Fait que on vous a demandé tout simplement à quand et où vos prochains spectacles pour réserver nos places. Mais peut-être qu'on va venir jouer ici. Est-ce qu'il y a de la place pour venir faire un show au complet? Ah oui! Y a-t-il une salle? Vendredi pour le 8 ans, le guet est rendu à Mistassini, le char à Tchamé. Fais la grande sac à tabarnak, à caler l'autre, 424 sur ton échec, t'as double cul. À cause, tu fais ça, même de même! Elle a toi là, parle-moi pas comme ça! Ok! À Robert Val, tout le monde! À Robert Val, pour voir un bon show avec mon club! La traversée du lac Saint-Jean, avec nous autres, ça prend trois jours. La dépensée en a coulé! Cette année, on fait le tour. OK, on est arrivé. Passe-moi le volant. Ben, c'est où, c'est ton mot de hé, le pas de ta mère, on est le New Mardi. Là, ici. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de bord de rencontre, les coulocs. On revient après cette pause. Oui, non. Nous.
les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. OK, chers amis, chers électeurs, c'est le moment tant attendu de souverains anonymes, où l'on passe de la parole à l'action, OK? C'est la première fois que souverain anonyme reçoit un groupe rock. Ce qui nous fait le plus grand bien maintenant, c'est d'entendre une coupe de tunes. All right. Les colocs chez les souverains anonymes. Maudit que le monde est beau, dans les vitrines, les magazines. Maudit que le monde est beau, dans les annonces de Roberto. Caroline, que le monde est beau, quand il va chercher son NASCAR. Maudit que le monde est beau, dans un décapotable de char. Les pierres se trouvent là, fait de la bicyclette tous les samedis. Hey! Pierrette qui pédale, attends-nous donc. Maudit que le monde est beau, les BFDO pis les Playboy. Quand les gars de la banlieue arrivent déguisés en cowboy. Caroline, que le monde est beau, quand c'est Jeannette qui veut savoir. Maudit que le monde est beau, quand ils sont bronzés en hiver. Les Pierrette se trouvent là, on fait la bicyclette tous les samedis. Ouais. Pour la Pierrette qui pédale. Hey, attends-nous donc. Maudit que le monde est beau, avec des jeans, la vie des fous-tous. Maudit que le monde est beau, au chèque café, pio, tisalvio. Caroline, que le monde est beau, en pleine campagne électorale. Et que le monde est donc beau, à l'hôtel de ville de Montréal. Le terrain se trouve là, à peine la bicyclette, tous les sabres. Hey! Dans les films de Jean-Claude Lauzon, Harley Davidson, pas de casse, pas de tête, pas de pantalon. Caroline, que le monde est beau, dans notre dernier vidéo clip. Que le monde est donc beau, avec sa chirurgie plastique. Mais bien, se trouve là, on fait la bicyclette tous les samedis. Hey! Thank you.
chemin qui était pas fait pour moi. Mais je m'ennuie pareil, as-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux, t'ennuies-tu des miens? Je suis bien, dis-moi les plus. J'étais pas fait pour toi non plus. T'es fait comme un ordinateur, sorry no compute. Ce que je fasse là, quand les stress donc, juste une petite nuit, pis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé de partir chemin, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se fouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, trop tard, on peut être copains si tu veux. La fiole en deux. Tu vas me dire André, trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça je le sais, ça va me faire chier. C'est rien que copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand j'suis avec toi, ça fait que j'vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants, un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que j'suis pas clairé. Thank you.
Écoutez, souverains anonymes, les détenus de Bordeaux rencontrent le groupe québécois Les Coolocs. Hey, on va jouer une petite country. Country. Let's go, Pat. Dans ma petite ville, on était juste 4000, pis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le Gaspard, la casse-pop, le croque-mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Y est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que je tenais. Aussitôt arrivé me blanc un beau Joalbert, ça avait l'air de Val Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Y est tombé une bombe sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, une bonne journée, j'y ai tourné avec mon bulldozer. Pis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Oh, 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 oh. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Les petits culs en bicycle, les cousines en visite. Hey! Ça noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit la McDonald's. Ouais, Patrick, ça! Thank you.
ville, ils sont plus rien que 3000, pis la rue principale est devenue ben tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est démoli, ah, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé monde, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, une bonne journée, j'y retourne avec mon bulldozer. Pis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, 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 wow. À ma petite ville, on était juste 4000, pis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la casse-pop, le croque-mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat! Qui s'intitule « Je chante comme une casserole », mais avant cela, on a mis Dédé en train de s'accorder, alors nous allons vous raconter une petite histoire. Un jour, lors d'une de nos dernières tournées dans les mers du Sud, notre drummer Jimmy Bourgoin a perdu son drum. Il l'a égaré dans la jungle comme ça, et il a marché pendant, oh, trois semaines minimum, jour et nuit, sans manger, sans dormir, à la recherche de son drum qui est toute sa vie. Alors Régis Bourgoin, un jour, à bout de souffle, est arrivé devant une palissade au-dessus de laquelle s'élevait de la fumée et ça sentait la chair humaine. Alors Jimmy s'est dit, peut-être que mon drum est là. Il s'est approché, il a monté avec ses bras au-dessus de la palissade. Et il a vu à l'intérieur la tribu des Bourgoins de Tituk, sa famille justement, qui lui chantait la petite chanson suivante qui s'intitule « Je chante comme une casserole ». On y va! Hey, je me lève le matin, je commence à chanter. Ma boulette et mes voisins me pressent de m'affarmer. En guise de cocorico, j'entonne ce petit air qui tire les gens de leur dodo et les met sur le grand air. Et je chante comme une casserole et je m'y fais revenir à maintes reprises. Mon look de sexe symbole vous faites oublier cette torture auditive. Ma voix défonce les tympans sans commisération. Les enfants et les éléphants n'y font pas exception. Il paraît que les végétaux aiment bien la musique. Je ferai des lieux tropicaux, des contrées désertiques. Et je chante comme une casserole et je m'y fais revenir à maintes reprises. Mon look de sexe symbole vous faites oublier cette torture auditive. Quand je chante mes plus belles chansons, je cherche avant tout l'émotion. Je vous donne sans entracte et sous une pluie de tomates mon cœur, mon âme, mon indicible charme. Je chante comme une casserole.
Oui, plusieurs fois. Ton look sexe se molle. Mon look sexe se molle. Seront débouchés en souvenir de moi. Je chanterai au paradis pendant des millénaires. Jésus, les anges et Dieu aussi s'enfuiront en enfer. Je chante comme une casserole et je m'y fais revenir à maintes reprises. Mon look de sexe symbole vous fait oublier cette torture auditive. Allez! Comme un rat dans un laboratoire. Non mais tu salues, pourquoi tu vis dans la rue? Passe-moi un poc, tu peux passe-moi un poc. Mais passe-moi un poc, puis je vais encore au début. Moi, si je suis ici à Bordeaux, c'est parce qu'on m'a pas passé le puck pour compter des buts. Mais maintenant, je sais que la puck, c'est à moi de la trouver si je veux compter des buts dans le match de la vie. J'aime écouter vos chansons pour leur contenu grave et leur forme innovatrice. Toute une génération vous admire et vous passe la puck. À vous d'en compter d'autres buts. De votre passage à Bordeaux, nous garderons le souvenir d'un groupe rock qui chante mieux qu'une casserole. Au nom de tous mes camarades, je vous déclare Dédé, Jimmy, Mike, Patrick, Serge, souverain anonyme. Ouais! Oh! Si vous battez de vous, j'ai rencontré Audrey Pana. Elle s'achetait une grosse liqueur. J'ai dit, pourquoi tu vas psy? Elle dit, c'est pas, elle m'appelle Julie. J'ai dit, ah ouais? Ah bon, elle m'a demandé si c'est tard. La première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. J'avoue que c'est la première fois à soir, elle me dit, Julie sent mieux pour les blondes, tout. Pas en tout. Ah oh, 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 ma petite Julie, c'était pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je te gâte pas si à vivre. Viens m'en voir quand t'auras 20 ans. Bala 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 bala. On est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. Ah tu j'aime mieux les Fellini puis Marcello Mastroianni. J'ai dit ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Et tu voyais ma petite Julie, t'es prends ma vie, t'es pour amis, je dis. Ben toi mon vieux tabarnouche. Ah, oh, 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 ma petite Julie, c'était pas si jeune, j't'aurais pris. Si toi que j't'ai un gars pas si ami. J'aime t'en voir quand t'auras 20 ans, madame. Viva la voulive, livo, la voulive, oh. Viva la voulive, si vous battez mou. Viva la voulive, si vous battez mou. Viva la voulive, selon l'air mon père. Thank you.
infiniment merci, Coolock, André Dédé Fortin, Patrick Esposito di Napoli, Mike Sawatsky, Jimmy Bourgoin et Serge Robert d'être venus rencontrer les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Infiniment merci. À la prise de son, Luc Desnoyers. C'était pas si jeune, j't'aurais pris. C'est toi que j't'ai un gars patient, pis viens m'en voir quand t'auras fait ta madame. Les hop, le bip, les vous bap, tout beau. Bip, tout bip, si vous bap, tout beau. Bip, bap, tout bip, si vous bap, tout bip, bap, bip, bap, tout bip, bap, tout beau. Aujourd'hui, Julie a 20 ans, est mariée depuis 2 ans. Avec un gars, tu coutes, tu m'y joues, tu qu'un mot, tu bel accent, je dis, t'as dû quoi? Elle a fait un de ses beaux cheveux, t'as du platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone, ça devait être fun, mais on jouait plus. Hey! On jouait plus pantoute. Oh, 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 ma petite Julie. Moi, je laisse les jeunes, mes doigts de mal vieilli. C'est toi que je suis un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 100 ans. Viens me revoir quand t'auras 100 ans. Ouais, pap, pap, si vous m'aimez, les mots, je vais voir, pap, pap, si vous m'aimez, les mots, je vais voir. Ouais, ouais, ouais. Moi je reste jeune, mes doigts de mal vieilli. C'est toi que je suis un compatient, pis viens me revoir quand t'auras 100 ans. Viens me revoir quand t'auras 100 ans. Merci. Souverains anonymes, une émission de Mohamed Lotfi. Nous assumons tous nos peines, noires et blanches dans le même système, derrière des murs qu'à tes crèmes.